Épisode 4, les amis. On va repartir par là-bas, mais avant, on va récupérer juste le petit manuel que j'avais trouvé, qui était bien caché. Il était là. Hop. Et puis... Mais what? Ah, du coup, ça l'a quand même pris. Ok, d'accord, très bien. Pourtant, quand j'ai regardé, bon, bref. Écoutez, c'est pas grave. Pas de panique. J'avais dû le faire avant. Donc, par contre, cette fosse. Cette grosse faux fosse que je ne comprends pas. Va falloir m'expliquer, les gars, parce que là. Peut-être un truc qui s'est pas déclenché, hein. Bon, du coup, ça m'a permis de trouver la crypte. Par contre, j'ai gagné des bottes, mais il faut que je les fabrique. Donc, au final, j'ai pas gagné de bottes. J'ai gagné le droit de fabriquer les bottes. Et ça, c'est différent, les mecs. Eh oui. Miguel ? J'aime pas ça. J'aime pas trop beaucoup ça non plus. Miguel ? Où tu es ? Oh non. Mais j'ai pas eu ça tout à l'heure. Miguel ! Mais tout à l'heure, j'ai pas eu ça, les gars. Je rêve ou je rêve pas ? Tout à l'heure, j'ai pas eu ça, hein. J'ai pas l'impression. Il y avait pas un journal ici ? Putain, mais je comprends rien à ce jeu de merde, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Le truc est ultra buggé. Mai. Oh mon dieu, le truc est bugué de ouf. Bon, au moins j'ai eu la cinématique. Très bien. Miguel ? J'ai pas eu ça tout à l'heure. C'est peut-être parce que j'ai tué le singe. Ok, bah c'était bien buggé. Putain, moi j'ai passé 20 minutes à tourner comme un con. Oh fuck. Waouh. Oh shit. Oh non, merde. Traverser le territoire du jaguar. Super. La bonne nouvelle, ça, les gars. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont invisibles. C'est par là? Ah, mais moi je crois que c'était là-bas. Oh putain. Bon. C'est rassurant de savoir qu'on peut être bloqué par des bugs de jeu comme ça, les mecs. C'est génial. Voilà, vainquer les jaguars, mais oui, ça faisait. C'est bien ça.
C'est bien ça. Ah oui, sans déconner, faut tirer sur les jaguars. Première nouvelle. Ça fonctionne. Ok. Tiens, crève, charogne. Putain, mais fils de pute. Il a attendu que je fasse ma roulade, il est malin. Les gars, putain, mais ils sont immortels ou quoi? Putain, m'a fait peur le con. Oh oui, dans l'oreille. Tu sens comme ça atteint ton cerveau, tu as aimé, hein? Foiré jaguar. What? Je vais changer de titre du 3. Mettre le bug. Rien n'est apparu, ni les journaux, ni les machins. J'espère que je vais pas rester coincé maintenant dans cette merde. On va ramasser tout ce qu'on peut. C'est pour ça qu'il y a des petits trous comme ça, et moi je pensais qu'on fallait passer par là, putain le con. Je suis curieux de savoir comment on va sortir. Hein. Ah bah là voilà, ça y est, maintenant on peut. Putain. Alors que tout à l'heure c'était bloqué pour pas qu'on s'enfuit du combat. Je comprends. Écoute, on a eu le bon réflexe de quitter. Ça a été. Ça nous a permis de trouver des trucs en plus. Par contre, on a deux pages de journal en moins. Alors, à moins qu'elles apparaissent au hasard dans le jeu. Jamais au même endroit, le reste, je vois pas la raison. Les gars, je ne vois pas la raison. Très joli ici, dis donc.
Alors. Oh! Ben voilà, la page numéro 5. Ce soir, nous ne trouvons pas le sommeil. La jungle gronde et la lune ne nous aide pas. J'entends la forêt respirer dans mon cou. Son grognement qui fait vibrer la terre. Son énergie indomptable circuler dans les arbres au-dessus de nous. L'imagination est fertile dans une obscurité si épaisse. La fatigue guide nos recherches, s'abattant... Dans encore une crypte ou une connerie, non? Merde, je pensais qu'on pouvait. Con. Une petite caverne. On va déplacer ça. Ah, l'emplacement des coffres, des cryptes et tout, tout team. Ah, ils ont vraiment repris tout le système. Tout le système, les mecs. Tout. 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 Cache de survie. Cache de survie ici. Une cache de survie. Ah ouais, ça m'a tout mis. Eh ouais, mais le document est là et là, ils étaient pas là. Vous êtes gentils, vous. Vous êtes bien gentils. Quoi, relique? C'est pas le feu de camp, ça? Ah, mais si, d'accord, les documents, c'est ceux que j'ai eus. Et du coup, ils n'apparaissent pas. C'est quand même étrange. Attendez, je vais voir. Peut-être c'est que le dernier qui apparaît. Mais non. Ça a dû faire bugger le truc, les gars. Oh, ce jeu est bugué. Je vous confirme, là, c'est une certitude, il n'y aura pas de platine. Hein. Putain, avec un truc bugué comme ça. Je sais pas, il me retaper le jeu pour... Ah non, non. Mais non, putain. Oh bah, quoique. Vas-y, hein, fais des flèches. Ouais, j'ai pas envie de me retaper le jeu à cause de leur bug de merde. Que ça. C'est très clairement. Ok. Super, ça m'amène ici. Où j'étais depuis le début, quoi. L'avion! Jonah, t'es là, Jonah? Le pauvre Miguel, il s'est fait bouffer le cul. Hein. Le piolet. Bon, déjà, pas son cadavre. C'est déjà ça. Ah, bah, il est là. J'ai cru que t'étais mort. T'aurais aimé, hein? Hé, hey, tu sais où est passé Miguel? Il n'a pas survécu. Qu'est-ce qu'il a, ton bras?
Ah, je crois que c'est un parasite. J'ai bien cherché de l'armoise, mais ça pousse pas dans le coin. Je vais regarder. Oh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Si on le laisse comme ça, ça va empirer. Bah c'est toi, je t'en prie. Prends un petit thé, un petit café, je vais t'ouvrir le bras. Sans anesthésie. Sûr de savoir ce que tu fais, là. Je prends même pas le... En fait, j'ai eu un peu la même chose il y a longtemps. Le soin de stériliser ma flèche, bien sûr. Je vais pas te mentir, ça va faire mal. Tu crois que cette tempête, c'était... la tempête? Celle de la fresque? Je sais pas. Je crois qu'on devrait... s'arrêter, faire le point. On a foncé tête baissée. Et puis, avec la tempête... J'aurais jamais cru que ça empirerait autant, je... Ouais, j'aurais dû insister pour qu'on cule. Mais je comprends. Tu bloques sur un problème et tout le reste disparaît. Jonah? Hé. Je suis là. Et c'est mon choix. Le plus souvent. Mais si on meurt, qui arrêtera les cataclysmes? Eh oui. Qui empêchera les trinitaires d'agir? Eh oui. Et qui fera encore des grosses conneries? Et qui continuera un jeu buggé? Qui? Parfois, je sens que je suis obligée de continuer parce que sinon les gens croiront que je les abandonne. Mais peut-être que pour quelques heures, on aurait pu attendre. Dave. On devrait lui donner un nom. Ok. Ellie? Ah, c'est mon cousin. Il avait une sale tête d'asticot. Adieu, Ellie. Merci. On devrait y aller. Si on arrive à trouver Kuwakiaku, on pourra se reposer cette nuit. Bonne idée. Je crois qu'on peut voir le village à travers les lianes par là. Bon, de toute façon, on pourra revenir en arrière. Je suis contente que tu sois resté près de l'épave. Si t'étais là, je voulais que tu puisses me trouver. J'avais le pistolet de détresse. Oui, je crois que Miguel se dirigeait par là quand... Le pauvre. Très joli, par contre. Les paysages, juste, hein, parce que les bonhommes sont mal faits. Hein. Oui, on pourra revenir en arrière pour reprendre des trucs qu'on a ratés, les gars, mais vite fait. Hein. Et comment tu t'es débrouillé pour avoir Ellie sous la peau? Ah, j'essayais de savoir si l'eau était propre. Maintenant, je sais. Tu crois vraiment à ces trucs? Ce que t'as raconté sur les cataclysmes, l'apocalypse? Je crois que si c'est vrai... C'est assez important pour se sacrifier, ou pousser les trinitaires au meurtre. Donc c'est une question de vengeance? Non. Non. Quand j'ai pris la clé, j'ai aussi senti une force qui m'attirait vers quelque chose. C'est bien réel. Si t'as senti une force qui t'attirait quand t'as pris la clé, elle est dans ta tête maintenant? Non. Elle est partie quand Dominguez a pris la clé. Si c'est aussi fort que ça, comment tu peux être sûr? Écoute... Essayons de trouver Kuwakiaku, ok? Ouais. Tu sais, si c'était une question de vengeance, je comprendrais. Tu crois vraiment? Tu préférais pas être dans un endroit chaud et sec avec une bière et peut-être une jolie demoiselle à courtiser? Ouais, c'est pas faux. C'est même carrément vrai. Mais je comprendrais, je t'assure. C'est pas une vengeance. On peut passer par ici. Tu m'aides? Avec plaisir. Tu le vois? Ça doit être Kuwakiaku. Essayons de descendre pour savoir ce qui se cache dans le temple.
T'es sûr que c'est le chemin? Allez, reste près de moi. C'est tout sauf un bon chemin. T'es sûr qu'elle est toute fine, mais toi t'es costaud, mon pote. On y est presque. J'ai déjà entendu ça. Non, je te tiens. Ça va aller? Ça va, plus que quelques pas. Ok. Tout va bien? Ça va, je gère. D'après toi, qui a bâti tout ça? Peut-être bien les Incas. Ils maîtrisaient les lois de l'hydraulique. Le pont est abaissé. On pourrait peut-être le remonter avec ses contrepoids. Peut-être. J'améliore mon savoir en ancien, bah tiens. Pas bien ça. J'imagine que cette eau-là est potable. Je vais essayer. Je crois que je vais plutôt me contenter des bouteilles d'eau qu'on a trouvées dans l'avion. Ouais, ils mettent pas tout quand même. Hein. Ils mettent pas tout. Hein. Cool. J'aurais pour le déchiffrer, ce con. Tu vois, si j'avais su que je passerais autant de temps dans la jungle, j'aurais mieux écouté pendant l'année où j'étais chez les scouts. T'es, mais je comprends pas, putain de jeu de merde. Il me dit que je peux les monolithes intermédiaires. Maintenant, il me dit que je peux pas. Eh ben, vu la situation de ma famille, on faisait pas beaucoup d'activités comme ça. Ah si, je peux là. Putain. Ça décrit quelque chose de proche. Deux serpents gardent la vie et la mort. Je suis pris au piège dans leur lutte éternelle. Hein? Et toi? T'as jamais été chez les scouts ou chez les camps de vacances? Être en pension, ça compte? Je sais pas. D'après toi. Sans doute que non. Mais Ross m'a appris les bases. J'ai toujours préféré la compagnie des adultes, de toute façon. Ah. C'est pour moi. Il me manque. Moi aussi. C'était rapide, j'ai même pas eu le temps de voir ce que j'ai gagné. Sans Ellie, ton bras devrait guérir rapidement. Ouais. Je me sens déjà beaucoup mieux. C'est pas mal, des petites choses à découvrir, j'aime bien. Hein. Ouais, ça a dû nous donner du truc, ok, d'accord. Ok. Donc, du coup, ça vaut le coup de déchiffrer quelques petits trucs parce que... Ouais. Ça vaut le coup. Ok, donc c'était juste pour ça. Bah oui, à quoi? Fonctionner le pont. D'accord. C'est trop lourd. Donne-moi un coup de main.
Allez, journal costaud là. Très bien. Parfait. Voyons à quoi servent ces contrepoids. Voilà, ça descend du l'autre. Le saut fuit. Non. On va réessayer. Mais le saut fuit. Putain. Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au saut. Oui, non, mais merci. Que j'avais trouvé un truc sympa. Hein. Je vais plus tenir très longtemps. C'est bon, Jonah. Tu peux lâcher. Et voilà. Merci. Alors, peut-être aller juste aller vite. C'est très bien. Bien ça, on gagne de l'XP en plus. On aime l'XP, nous. Ah ouais, il a déjà sauté, il m'a pas attendu. Oh. Con. Je crois qu'on va devoir passer par là. Après toi. C'est quoi? La mort. On dirait une sorte d'hôtel ou bien... Aide-moi, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est une recette. Recette de cuisine. Ça ressemble à un mélange d'herbes pour mieux se concentrer. Ça pourrait être utile si on croise d'autres jaguars. J'espère que non. La sortie est par ici. Œil de l'aigle, maintenez L1, puis pied triangle, pour utiliser les plantes de perception. L1 triangle. Oh. Je vais voir s'il n'y a pas un truc qu'on aurait oublié, mais visiblement non. Alors, par contre, il y a du petit papier. Un peu de tissu. On se rapproche, on arrive près du village. J'ai hâte de retrouver la civilisation. Pas le même genre de ruine qu'au Mexique. Je me dis qu'il y a un tombeau à proximité. J'ai vu les trucs jaunes. Quelque chose sur le Pérou. Non, mais bon, la cité d'or secrète est censée se trouver au Pérou, Paititi. Tous les chasseurs de trésors du monde ont tenté de la trouver. Mais ses notes s'arrêtent au Mexique. Comme s'il avait changé d'avis ou... Je sais pas, dans le carnet d'après, on passe en Syrie. À la montagne à couronne d'argent où les jumelles devisent. Comment
on saura qu'on est de nouveau sur la bonne voie pour trouver la cité perdue. Des ruines mayas, ça se remarque, tu crois pas? Ouais. Tu penses qu'on est loin de Kuwakiaku? Si on... On avance bien dans la bonne direction. Je sais pas, mais le système d'irrigation est plutôt un bon signe. Pas faux. Il y a eu des gens ici à un moment. Pourvu qu'ils soient encore là. Et là, c'est dispo alors que c'était pas dispo. Mais what the hell? Ce jeu me fait... Mais what? Donc j'ai l'œil de l'aigle. Je peux faire l'œil de l'aigle 2. Je peux faire la vision de la chouette. Pour l'instant, je vais rien faire du tout. Il y a 4 améliorations ici. La tige renforcée, ça c'est quoi? Recharger plus vite et augmenter la cadence de tir. Et ça, je crois que c'est mieux. Hein. Ça, c'est mieux. Parce que plus on peut tenir longtemps l'arc, mieux c'est. On va essayer de voir si on peut faire le tombeau facultatif. J'ai trouvé quelque chose. Un moyen d'entrer. Si c'est pas la civilisation... Je vais attendre près du feu. Attends près du feu. Attends près du feu. Je vais aller faire ça. J'ai un petit peu de temps devant moi, mon ami. J'aimerais bien voir un peu à quoi ressemble l'un de leurs tombeaux. Putain, c'est tombant dans l'eau. Putain. Super. Ah, c'est pas de l'eau. D'accord. Je croyais que c'était de l'eau. Autant pour moi. Autant pour moi. C'était un gros trou. Ça ressemblait à de l'eau avec un espèce de bateau en dessous, là. Ouah. Vous avez cru aussi que c'était un bateau, les gars. Avouez-le. Oh. En effet, c'est plus simple comme ça. Très bien. Un petit piège. Ils font peur là. Pourquoi ça crie? Secret révélé. Un secret, super. Voilà, comme on dit, il faut monter quelque part. Hein. Voilà.
ça, mon gars. Y'a rien en haut? Bon. Mais what? Ah, d'accord. Ok, j'ai compris, putain. Compris le système, les mecs. On descend normalement. Cet engrenage date du début du 20e siècle. Et quand on appuie L2 ou R2, c'est pour... c'est pour se balancer. Me dis pas que c'était ça le tombeau, hein, parce que... Ils en auraient été capables, les mecs. Hein. On les connes ou quoi? Ok. Mais what? C'est quoi le délire? Toujours des trucs chelous hein, dans Tomb Raider, putain. Fait flipper. C'est quoi ce délire? Bon, compétent, j'en ai pas gagné, j'en ai toujours qu'un. Et ça, c'est toujours l'arc. Je peux améliorer que celui-là. Allez. Pour l'instant, j'ai que ça, les gars, donc. Ouais, j'ai que ça. Sauvegarder, ça fait flipper leur connerie. Oh, on est dans les temps. Il y a quelqu'un? Voilà, exactement ce que je disais sur les tueurs. Il y a quelqu'un? Bien sûr, il va te dire s'il y a quelqu'un. Bon.
Voilà le tombeau. On va peut-être pas le temps de finir dans cet épisode, les gars. Ne m'en veuillez pas. J'ai l'impression que c'est par là qu'on sort. J'avais pas compris le délire. C'est peut-être la sortie. Oui. Bon, peut-être ça veut dire que c'est la sortie, très clairement. Chaque fois, je trouve la fin. C'est un peu mal branlé leur truc. Des lingots, alors ça. On va pas s'en priver, les gars, je le dis. Oh putain, il faut appuyer plusieurs fois. Lancer le piolet pendant un saut. Putain. La poudre noire. Oh. Sympathique. On fait des choses, les mecs. Bien. Quelque chose a bougé au-dessus. Ah, je sais. C'est le gros singe à moucate là. On va se tomber. On peut pas aller plus loin. Hein.
Bon, sur ce, les amis, on va se laisser là. Ne ratez pas le prochain épisode. On va voir un petit peu ce qui se trame dans ce tombeau. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao.